Hein. Salut à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle quotidienne d'En Roue Libre. Une heure ensemble avec Polo, avec Robin, jusqu'à 20h. On va se régaler, on va débriefer cette nouvelle étape qui devait être une étape relativement tranquille avec un sprint. Eh ben non, ça n'a pas été le cas, ça a été un bordel pas possible. Mais cela étant, Robin et Polo, alors je ne sais plus lequel de vous deux en avait parlé hier, mais avait émis la possibilité qu'aujourd'hui, eh ben, c'était pas forcément un sprint qui se profilait. Je crois que c'est toi, Polo, si je ne me trompe pas. C'est tous les deux, il me semble. Robin me corrigera. Mais Moi, j'y croyais plus pour un sprint quand même. Même si voilà, j'avais noté qu'il pouvait y avoir une échappée, j'étais plus côté sprint. Hein. Moi, je n'étais pas sûr. Après, évidemment, deviner ce scénario de course assez improbable, c'était quand même assez difficile. Mais par contre, j'aurais pu imaginer une petite échappée aller au bout. Avec finalement un Quick-Step qui se repose après des Pyrénées difficiles et qui garde ses forces pour dimanche surtout. Vous avez compris d'ailleurs, parce que c'est la première question que j'ai envie de poser sur ce débrief, les gars. D'ailleurs, je vais dire de quoi on va parler, hein, pour rappeler. Donc, débrief de l'étape, comme d'habitude, débat. Alors, on va pas forcément mettre des notes aux Français, mais on va faire un top-flop. Voilà, on a un peu changé notre fusil d'épaule. Preview de la 20e étape, parce que demain, il va y avoir un contre-la-montre qui va être assez intéressant, assez cool à suivre. On va voir si Pogacar va à nouveau gagner. Et la rétro aujourd'hui, Robin, alors apparemment, on part dans le futur d'après la rivière. Mais non, on part en rétro, hein, que j'ai mis 19609, parce que cette date va arriver un jour, on ne sera plus là. Peut-être pas, Polo. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est du beau pessimisme. Enfin, la date existera, mais il n'y aura personne pour savoir que c'est ce jour-là, quoi. C'est vrai, t'as raison. Ça, c'est un autre débat après. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, Robin, tu vas nous parler de Merckx. Ouais, d'ailleurs, on a noté dans le chat qu'il y avait une faute de frappe à Merckx. C'est CKX à la place de KCX. Mais ouais, on va parler d'Eddy Merckx à Mourinx. C'est comme dans la 7e compagnie, si je connaissais le con qui a fait sauter le pont. on va parler... ça, c'est un des films références de mon enfance. On va parler de l'exploit d'Eddy Merckx à Mourinx en 69 sur son premier tour victorieux. Ok, très bien. Tu nous en as pas dit plus que ce que j'ai écrit, en fait. Ouais, exactement. Ça me l'eau à la bouche, c'est très bien. Chatroom et quiz, bien évidemment, pour terminer. Et Polo, tu nous diras si tu utilises la triple carotte aujourd'hui, savoir si le quiz vaut 3 points. Il vaut 3 maintenant, il devait valoir 2. Hier, c'était 2. Ouais, mais si en fait, j'ai réfléchi et comme je suis excellent en match, je me suis rendu compte que s'il vaut 2, ça ne sert à rien. Donc, ce sera triple 40. Donc, du coup, ouais, la première question sur le débrief aujourd'hui que j'ai envie de poser. Donc, si vous n'avez pas vu l'étape, c'est Maurice qui a fini par gagner. Juste vas-y, avant, Polo. Il y a Bilal qui pose une question très intéressante. Farcim, dimanche, vous faites une quotidienne vu l'étape qui finit tard. Non. Vu qu'on ne sera pas là, moi, je serai sur place, Robin sûrement aussi. Du coup, on ne fera pas de quotidienne, mais on essaiera de faire peut-être des petits lives Instagram ou des petits trucs. Donc voilà, on vous tient au courant, on ne vous laissera pas seul. Mais vu que moi, je serai sur place à l'arrivée et Robin peut-être aussi, on a décidé d'annuler la quotidienne. De toute façon, on aura le temps de débriefer ce tour lundi, que ce soit en plateau ou en petit trou, on n'a pas encore décidé. Mais voilà, pas de quotidienne dimanche. La dernière quotidienne, ce sera demain. Ok. Donc profitez bien, les gars. On vous tient, mais évidemment, on vous tient au courant s'il y a des changements de plan, etc. On va essayer de faire au mieux, mais on n'a juste pas envie de dire qu'il y a une quotidienne si par hasard on l'annule au dernier moment. On préfère vous tenir au courant avant. Donc, victoire de Matej Mohoric aujourd'hui, deuxième victoire pour le Slovène de la Bahreïn sur ce Tour de France devant Christophe Laporte qui a réglé un petit groupe de deux avec un petit duo avec Kasper Pedersen. Donc, arrivé d'une échappée qui a été donc, au bout d'une étape assez infernale. On va pas se mentir, assez folle à suivre. On était bien incapable de dire qui allait gagner. Beaucoup plus mouvementé que prévu. Est-ce que les gars, vous avez compris que la De Koninck aujourd'hui reste calme et se concentre sur les Champs-Élysées? Moi, j'ai compris, ouais. Parce que on n'a pas eu un scénario avec une échappée classique qui part et où tu peux la gérer à distance. Là, ça n'arrêtait pas de ressortir. Il y avait beaucoup trop de mecs qui voulaient être devant, beaucoup trop d'équipes qui tentaient d'aller devant et ça devenait ingérable à gérer, surtout quand t'es De Koninck Quick-Step et que t'as pas grand monde qui t'aide parce que personne n'avait intérêt à les aider. Tu regardes ceux qui veulent contester les sprints à Cavendish, ils ont plus beaucoup d'équipiers donc ils vont pas les mettre à rouler au kilomètre zéro.
Donc forcément, de Cologne Quickstep était un peu livrée à elle-même, avec potentiellement un peu d'aide du AE, qui est l'équipe du maillot jaune, mais c'était encore pas une certitude. Donc je pense que s'il y avait eu une échappée de 5, et qu'il n'y avait eu que cette échappée de 5 qui est partie au début, Quickstep aurait pu gérer tranquillement, mais à partir du moment où ça repartait dans tous les sens, où tu te retrouvais avec un groupe de 20 mecs devant et tout, ça devenait ingérable. Ouais, bien joué, Paul, de laisser Alpecin faire le taf. Bah, ce qui était bien joué, je sais pas, mais à partir du moment où tu arrives à placer Ballerini, qui est un coureur avec une très belle pointe de vitesse, dans un groupe d'échappés, et que tu reposes de facto tes 7 autres coureurs, c'est bien joué, surtout que tu sais que Matthews et Colbrelli sont dans ton groupe, donc que tu ne vas pas perdre de points au maillot vert pour eux. Non, c'est encore une fois, du côté de la Quickstep, ça a maîtrisé l'étape à la perfection. Et en plus, le fait que la Quickstep ne maîtrise pas le peloton, bah, ça a donné envie à toutes les équipes de placer des mecs dans les échappées, parce que à ce moment-là, ces gars-là comprennent que la victoire, elle va se jouer, en échappée, et que tu as tout de suite une chance de plus de gagner l'étape. Donc c'était cool pour le spectacle, c'était bien joué tactiquement, du coup, bah, on s'est régalé. Et au début, en plus, ça a été un sacré bordel. Après, moi, là où je vous posais la question, les gars, c'était plus sur le début d'étape, où il y a eu une première échappée avec Bonamour, Bernard, Roach, Zimmermann et Simon Clark. Donc, il n'y avait pas de De Koninck. Et c'est là que ça m'a un peu étonné que De Koninck ne roule pas, et qu'au final, Alpecin se retrouve un peu comme des cons à vouloir l'étape pour Jasper Philipsen. Et à ce moment-là, il n'y avait pas Ballerini. Et quand c'est ressorti, De Koninck s'est dit, bon, là, on va mettre Ballerini dans le coup, on va suivre un peu. Mais globalement, après, c'est la question aussi que je vous posais, et j'allais vous la poser sur la deuxième phase de en fait, même la première échappée, Joseph, moi, je pense que c'était pas con de la part de De Koninck Quickstep. Non, je dis pas que c'est con, mais je me demandais si vous attendiez à cette attitude-là que De Koninck laisse passer un coup, quoi. Faut bien laisser passer. Enfin, le scénario qui aurait été le plus facile à gérer pour Quickstep, pour moi, c'était justement celui-là, avec 5 mecs devant et qui prennent assez d'avance pour que personne ne tente de ressortir derrière. Et en fait, pourquoi c'est ressorti? Parce qu'on s'est rapproché de cette première échappée, et que des gars se sont dit, ok, là, il y a moyen de faire le jump. Si on sort maintenant, peut-être qu'on peut encore faire partie de l'échappée. Je pense qu'au début, alors je ne suis pas dans la tête des directeurs sportifs et je ne sais pas ce qui a été dit au briefing, mais si tu laisses sortir cette échappée et que tu lui laisses assez d'avance, ça veut dire que c'est celle-là l'échappée du jour. Et la première échappée, avec 5 coureurs et ces coureurs-là, c'était pas la plus dure à contrôler. Donc voilà, je voulais juste avoir votre petit avis sur la stratégie qui a été mise en place. Et effectivement, Alaphilippe a dit très clairement dès le début d'étape que ce qui a été dit au briefing, c'était de ne pas jouer la gaine du tout aujourd'hui et de se concentrer sur les Champs-Élysées. Ce qui, au final, n'est pas bonne. Et voilà, ils ont voulu une journée de repos. Ils en auront une deuxième demain sur le chrono. Et voilà. Ouais, c'est fort possible. Du coup, après, il y a eu un énorme groupe qui s'est formé. Et au bout, du coup, la victoire d'un homme qui a déjà gagné aujourd'hui, qui a déjà gagné sur ce Tour de France. Hop, hop, il est parti, hop. Bah alors, t'es où, mon ami? J'ai perdu mon petit ordinateur. C'est pas très grave, il va revenir. Pendant que vous parlez et pendant qu'on parle de la victoire de Matej Mohoric, Polo, il a été tout simplement énorme. Alors, on va revenir après sur les doutes, etc. Mais imaginons qu'il n'y a pas de doute, Polo. Mais Matej Mohoric, au-delà du fait qu'il est dans une équipe avec un passif sulfureux et avec des coéquipiers qui font des performances étranges, ce tour de Mohoric, pour moi, il n'a rien fait de déconnant. Il est dans la lignée de ce qu'il a toujours fait dans sa carrière au niveau des performances. On connaît ses qualités. C'est un excellent rouleur, un baroudeur de très haut niveau, capable de passer des bosses quand il est dans des grands jours, capable de ne pas les passer bien du tout quand il est dans des jours de moins bien. Là, aujourd'hui, j'ai vu un Matej Mohoric, au niveau auquel je l'attendais, savoir faire les différences exactement là où je m'attendais à ce qu'il les fasse, je ne suis pas surpris. Franchement, je ne suis pas surpris et je ne me suis pas dit quand il a attaqué qu'il a lâché l'adversité, que c'était déconnant. C'est une très belle victoire de Mohoric. On parlera évidemment après de la manière dont il a terminé cette étape. Mais en tout cas, pour le coup, que ce soit son attaque, le côté tactique avec laquelle il a joué toute la journée. Non, je dis bravo à lui. C'était une étape vraiment, pour le coup, très bien menée de A à Z. Romain,
Il a attaqué à 25 km de l'arrivée pour être tout à fait exact. Il est un peu parti en facteur comme d'habitude sur un rythme où on n'a pas l'impression qu'il attaque. C'est pas forcément une giclette, c'est juste un braquet mais de dinosaure le truc. Et puis il part en fait et puis tu le revois pas si tu prends pas sa roue dans les 10 mètres qui suivent quoi. Ouais, parce qu'il sort fort. Hein. Il a beau sortir assis sur le vélo, il accélère sérieusement. La puissance de Ulrich, quoi, c'est ouf. Ouais, de Ulrich, je sais pas, mais. C'est la puissance dans les hanches, t'as l'impression que ça bouge pas. Ulrich, on lui avait appris à rouler comme ça. C'est son entraîneur, quand il était gamin, qui l'avait emmené dans une côte et qui forçait lui et ses jeunes coéquipiers à monter assis pour tirer sur le bassin. Mais du coup, Ulrich, il est spécialiste de ça. Bilal le dit dans le chat très bien, il a gagné sur les grands tours à chaque fois sur des étapes de plus de 200 bornes, que ce soit sur le Giro, sur la Vuelta et les deux sur le Tour. Sur le Giro, il en gagne une qui fait 270 km, je crois. Sur le Tour, il a gagné celle du Creusot qui était à 249. Donc voilà, tu sais bien que Mohoric, il assume des courses très longues. On l'a déjà vu dans le final de Milan-San Remo, c'est pas un hasard non plus. L'année où Alaphilippe gagne, il est là dans le final. Donc voilà, c'est un des mecs qui est très très fort sur des longues distances, qui n'a pas le punch d'Alaphilippe, de Van Der Poel, de Van Aert, qui n'a pas non plus la pointe de vitesse au sprint, qui du coup est rarement gagnant sur des classiques, mais qui du coup sur une échappée fait des ravages. Et c'est pas une surprise, je pense, de le voir là. Et pour dire un mot sur les doutes, entre guillemets, c'est un mec qui est champion du monde junior et espoir. Donc c'est l'opposé d'un mec qui sortirait de nulle part. Ouais. Ce qui a plus été répréhensible et visé aujourd'hui, critiqué, c'est son geste qu'il a eu à l'arrivée. Alors, dans un premier temps, il a eu un geste normal de célébration, mais finalement, assez rapidement, on l'a vu avoir un message à faire passer qui a été celui-ci avec la main sur le avec la main sur la bouche. Et il a expliqué son geste en interview, même si on se doutait bien, il dit qu'il a été traité comme un criminel, mais qu'il trouvait ça normal, tout à fait normal que la police fasse son boulot, etc. Mais que voilà, c'était. Donc, du coup, c'était pas assez paradoxal comme réponse, mais vous en avez pensé quoi, vous, de ce geste-là? Je sais pas, moi, à chaud, je me suis quand même dit à quoi il joue, parce que là, il joue vraiment au con. Je me suis dit, il y a trois options. Soit il est bête, soit il est dopé. Soit il est vraiment clean, il en a vraiment ras le cul qu'on le prenne pour un dopé dès qu'il place une attaque ou dès qu'il gagne une course. On va plutôt espérer que ce soit la troisième option, même si il a le droit aussi d'être bête. Hein. Il a le droit aussi d'être bête. Même si ce qui me fait un peu éliminer le côté bête, c'est que tu vois, quand j'entends Pogacar quand on lui demande ce qu'il pense des suspicions de dopage à son sujet, répondre « je suis le coureur, l'un des coureurs les plus testés du Tour de France, etc. » et que deux jours plus tard, Mohoric refait cette célébration qui ressemble beaucoup à celle de Lance Armstrong en 2005. J'ai l'impression qu'en fait, ces deux Slovènes-là n'ont peut-être pas une culture vélo assez suffisante pour connaître peut-être ces faits d'histoire. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ce geste d'Armstrong. Peut-être que Pogacar, quand il a dit ça, il ne savait peut-être pas qu'Armstrong avait dit ça aussi. C'est des jeunes coureurs, des coureurs slovènes, dans un pays où la culture vélo est pas la même que chez nous. Donc, je me suis posé cette question-là. Après, Il a fait ce geste-là. Il a fait ce geste-là et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, pour le coup, c'est plus débattable. On rappelle que Lance Armstrong, quand il l'avait fait, alors c'était pas une célébration, c'était en cours d'étape. Oui, c'était à l'arrivée du Tour 2005. C'était une célébration de sa victoire sur le Tour de France. C'est ça que je voulais dire. Ah non, oui, ok. Moi, je croyais que tu parlais de celle sur quand il reprend Gilberto Simoni. Ah non, oui, je pensais à ça aussi. Ouais, parce que pour moi, quand il fait ça, c'est qu'il va à la caméra, après Gilberto Simoni part en échappée et il avait dit en interview « Cet homme-là, plus jamais, il gagnera sur le tour, sur une étape dans laquelle je serai présent. » Parce qu'en fait, Gilberto Simoni avait témoigné contre lui en disant qu'il avait vu dans une salle d'attente du docteur Ferrari. Et effectivement, c'est ce qui s'était passé. Gilberto Simoni était parti en échappée et Lance Armstrong, lui, l'avait repris avec son équipe et derrière était allé à la caméra et avait fait ce geste-là. Mais effectivement, je ne me rappelais plus, Polo, non plus de cette célébration sur le tour. Quand il ferme la fermeture éclair. Ok, c'est celui-là, je ne me souvenais pas. Moi, je me souvenais du doigt sur la bouche. Mais oui, c'est vrai que du coup, on a eu les deux références aujourd'hui, hein, avec
avec Mohoric sur la ligne qui fait la fermeture éclair, et avec Pogacar qui va chercher... Bon, alors, ça n'a rien à voir, le contexte n'a rien à voir. Pogacar qui allait chercher en début d'étape Kwiatkowski qui avait placé une attaque, mais au moment où il y avait une chute et où en fait le peloton attendait que ceux qui avaient chuté reviennent, Pogacar est sorti et allait chercher Kwiatkowski et a commencé à lui gueuler dessus un peu, en mode en lui disant « Reste dans le peloton, il y a des mecs qui ont chuté, on les attend, c'est pas l'heure d'attaquer. » Ouais. Et donc, c'est vrai que sur la même journée, ça n'a rien à voir. En plus, pour le coup, Pogacar, là, il a vraiment rien fait de mal. Il a tenu son rôle de maillot jaune et c'est totalement légitime, même si on peut dire que c'est la course, etc. C'est pas anormal qu'un maillot jaune dise « Eh oh les gars, il y a des mecs qui ont chuté, on les attend. » Ouais. Surtout que c'était vraiment après 5 km. Mais c'est vrai que tu te dis « Putain, c'est marrant quand même sur l'étape d'avoir ces références-là, entre guillemets. Ouais. » Ça veut rien dire du tout, quelqu'un, Mohoric, il fait ça après 200 km, il n'est pas forcément le plus lucide du monde sur ce qu'il est en train de faire et sur la portée que ça va avoir. Mais ça interpelle quand même un petit peu. Ça veut rien dire sur le fait qu'il soit à blâmer ou pas, mais ça te rappelle quand même des trucs où tu dis, niveau com en tout cas, alors pas pour Pogacar, mais pour Mohoric, c'est mal, c'est pas très intelligent, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'il a voulu provoquer sciemment ou est-ce que c'est juste une com un peu bête voilà. Je trouve qu'en tout cas, c'est dommage parce que ça lui met vraiment une chape au-dessus de la tête et que la référence, elle est immédiatement faite à Armstrong et qu'en fait, même si lui, il dit ça en mode il n'y avait rien à trouver quand vous avez fait une perquisition ou on n'a rien à cacher ou voilà, la justification qu'il a donnée, la vérité, c'est que ça l'associe à Armstrong de par cette célébration. Donc, dans le fond, il n'a rien fait. Ce que je veux dire, Robin, c'est que quand tu as 22 ans, t'es pas forcément, vous êtes tous en train de dire dans le chat, vous êtes bien crédules, il sait très bien ce qu'il dit, ce qu'il fait, tout le monde connaît Armstrong. Mais je pense que vous ne vous rendez pas compte que les sportifs de haut niveau ne suivent pas l'actualité de leur sport et ne connaissent pas l'histoire de leur sport comme tout le monde, si vous voulez. Par exemple, il l'a dit plein de fois, il l'a dit, mais moi, quand je suis arrivé dans le peloton, je ne savais pas qui était Eddy Merckx. Je ne savais pas. On m'avait pas raconté ça parce que moi je faisais du vélo, mais je ne connaissais pas le vélo de haut niveau. Alors après, effectivement, vous avez sans doute raison. Peut-être qu'on est crédule, mais il y a cette possibilité aussi que lui, quand il fait ça, il voit juste les footballeurs, globalement les sportifs de haut niveau qui font tout ça. Parce que vous, si vous dites ouais, il est crédule, il veut imiter Armstrong, ça veut dire qu'en gros le footballeur lui aussi, non, quand il fait ça, il veut imiter Armstrong. Non, mais c'est un geste qui chez les jeunes et les le jeunes problème c'est que même c'est hyper répandu. Mais même s'il n'y a pas la ref Armstrong, tu fais cette célébration quand, je sais pas, t'as été critiqué, t'as été critiqué pour du sportif et que en gros tu fais fermer des bouches par le sport, encore une fois. Voilà, tu peux avoir cette célébration et c'est légitime et ce sera du chambrage ou quelque chose comme ça. Là, le problème, c'est que c'est sur une histoire de dopage. Et en gros, faire le flambeur après avoir 24 heures après une perquisition à ta chambre d'hôtel, je trouve que c'est un peu too much. Ça, oui. Ça veut pas dire qu'il a fait quelque chose de mal. Mais dans le fond, ça change rien. Qu'il soit clean ou pas, c'est pas cette célébration qui nous le dit. Mais dans la forme, ça lui met une sacrée étiquette sur la gueule, quoi. Par contre, comme dit Zdenekout dans le chat, s'il se dope, c'est sûr qu'il est renseigné sur Hans Armstrong, par contre. Ah bah, ouais. C'est possible, oui, c'est possible. C'est évidemment une blague. Le geste de la fermeture éclair, il est quand même vraiment, pour le coup, le chute, oui, on le voit tout le temps. Oui, quand Giroud a pas marqué depuis 3 mois, il peut faire un chute au public, tu vois. Ça se voit beaucoup dans le foot. J'ai pris un exemple, hein, je sais pas que Giroud l'avait fait, mais premier joueur qui m'est venu en tête. le signe de la fermeture. Beaucoup trop, ça. Le signe de la fermeture éclair, comme ça, vraiment, là, pour le coup. C'est quand même très propre à Lance Armstrong. Même s'il le sait pas, ce que je veux dire, c'est que le flambeur après une affaire comme ça, c'est ça. Ouais, ça serait bien passé. Quoi. Le message est pas bon, qu'il le sache ou pas. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème. Et comme disait quelqu'un dans le chat tout à l'heure, une espèce de relan de trucs chelous dans ce Tour de France. Il n'y a pas un jour. Dans tous les tours, hein, depuis 20 ans, on va pas se mentir. Hein. Ouais, un peu plus. Alors, depuis 2-3 ans. Toujours un truc qui va pas, de toute manière. Un peu plus depuis 2 ans, mais la période fin Froome, fin de Rennes de Froome, plus les tours 2018-2019, t'avais pas ça, quoi.
Et là, ça revient vraiment d'un coup. Depuis, je vais même envie de te dire, depuis le, bah, depuis la victoire de Pogacar sur le chrono l'an dernier. Ouais, ça date d'un peu plus tôt, hein, honnêtement. Enfin, c'est tout le tour 2019, je veux dire. C'est pas juste la planche des belles filles. Ça a démarré dès que Roglic a commencé à cartonner sur le tour. C'est vrai, t'as raison. Mais enfin bon, voilà, on voulait en parler. C'est pour ça que c'est bien. Non, c'est sûr. Mais bon, on voulait en parler parce que je suis tombé des nues quand sur les réseaux sociaux, on m'a dit aujourd'hui qu'on faisait les autruches dans Roue Libre à ne pas parler de dopage, alors que j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps et qu'on. Qui a dit ça mal, on parle. Bon, sur les réseaux, tu sais, on croise un peu tout. Mais voilà, au moins. Ça revient au débat qu'on a tout le temps, quoi. Pour les mecs qui voient le Tour de France que par le prisme du dopage, on n'en parle pas assez. Et pour les mecs qui kiffent le Tour de France de manière bienveillante, j'allais dire naïf, mais c'est pas le mot, mais plutôt bienveillante, on parle tout le temps de dopage, donc on s'en sortira jamais, quoi. Voilà, donc je voulais juste prouver par les faits, en prenant ces avis en compte, que voilà, on en parle, et comme hier, on a démarré sur la descente de police dans les chambres de la Bahreïn. Aujourd'hui, on parle de ce geste de Matej Mohoric et de tout ce qu'on en pense globalement. Et on connaît effectivement Milan RTN, et voilà. Les centrifugeuses, on les connaît. Voilà. Les petites factures de centrifugeuses, on les connaît, ouais, on les connaît. Exactement. On a déjà beaucoup parlé sur cette fameuse émission que je vous invite à aller voir sur YouTube avec Benoît. Exactement. On a parlé dopage à la fin du Tour de France l'an dernier. On nommait rien, les amis. Donc du coup, Mohoric, on en a parlé, l'increvable, voilà, grosse performance du Slovène. Et malheureusement, derrière, est-ce que dans tout ce groupe d'échappés, alors bien évidemment, il y a la porte, les gars. C'est hyper frustrant quand même pour Christophe Laporte d'être tombé, j'ai envie de dire, sur un Matej Mohoric parce qu'il paraissait quand même très très fort. C'est frustrant pour Laporte parce que j'ai l'impression que s'il sort avec Mohoric, il est capable de le tenir, je pense, dans la roue. Le problème, c'est qu'il sort, à contre-temps et il avait l'air vraiment très fort. Donc oui, il y a beaucoup de frustration. Il doit un peu faire la gueule ce soir. Mais après, de toute façon, là, on l'a bien vu, hein, quand Mohoric démarre et que je crois que c'est le DSM derrière qui est dans la roue, qui se retourne et qui dit bah non, moi j'y vais pas, allez-y. Bah tu savais qu'à ce moment-là, Mohoric allait partir. Tu connais le bonhomme, tu connais un peu la physionomie de course, tu connais un peu la course. Mohoric a été très fort, il a attaqué dans une bonne petite côte. Il a fait mal à tout le monde et en plus derrière, ça s'est regardé. Bravo à lui, hein. Bravo à lui et c'est frustrant pour ses adversaires. Un Nispolit aussi avait l'air costaud, ouais, c'était Polit, ouais, c'est ça le DSM. Mais du coup, voilà, est-ce qu'il aurait pu faire beaucoup mieux? Je ne sais pas. Les gens se seraient méfiés de lui quand même au sprint. Voilà, c'est compliqué, un gros groupe d'échappés comme ça, il faut être celui qui met la bonne attaque au bon moment et qui arrive à sortir le reste de sa roue. C'est Mohoric qui a réussi à le faire. Voilà, bravo à lui, et frustrant pour la porte. Tu penses, Robin, qu'il a eu raison de la porte d'attendre quand il était tout seul? Là, il était à 25 secondes de Mohoric. Est-ce qu'il a eu raison d'attendre le groupe qui était derrière, qui semblait bien collaborer, ou alors il aurait dû continuer et attendre les parties peut-être un peu plus montantes, là où Mohoric piochait un petit peu? Ça dépend de tes gens, en fait. Le problème, c'est que quand Mohoric attaque, il attaque dans une partie montante où il est plus à l'aise forcément que Laporte. Et je pense que si Laporte avait pu suivre à ce moment-là, il y allait. Il était au courant que c'était. Ah, toi, t'avais l'impression, parce que moi, j'avais l'impression inverse, en fait, mais je me suis peut-être trompé. J'avais l'impression que Mohoric, sur les parties montantes, perdait un peu de temps et qu'au final, dès que. Non, je te parle juste de l'attaque. Ah, ok, d'accord. Ok. Au moment de l'attaque, je pense qu'on est sur une partie. Alors après, j'ai pas fait gaffe trop. Peut-être que tu as raison que Laporte reprenait sur les parties montantes en lissant peut-être plus son effort. Mais au moment où Mohoric met son attaque, je pense pas que Laporte il a les jambes pour le suivre, parce que sinon il y va et il est tellement au courant que c'est le bon coup que derrière il essaye de ressortir et comme tu dis, il se retrouve tout seul intercalé. Ouais. C'est qu'il savait qu'il fallait revenir sur Mohoric et rapidement. Donc moi, je pense que s'il s'est laissé reprendre entre guillemets par le groupe de derrière, c'est parce qu'il n'avait pas les jambes pour boucher les 25 secondes qui restaient, sinon il y serait allé. Et puis il avait aussi l'espoir, comme tu dis, que ça collabore bien derrière, parce qu'à ce moment-là, c'était encore le cas. Et donc tu te dis, voilà, si on s'organise comme il faut, on peut le reprendre, quoi. Le problème, c'est que Laporte, il avait un peu plus envie, je pense, que les autres de reprendre Mohoric. Tout le monde sait quand même que c'est un bon sprinter, Laporte. Et les autres, ils commençaient, à mon avis, à penser
Attends, si le deuxième plus fort, en fait, c'est la porte et qu'on le ramène devant, ça change pas grand-chose pour nous. On va quand même se faire taper, quoi. Donc, ça a commencé à désorganiser le groupe et on a vu ce qu'on a vu, où finalement, Polyte a mis des accélérations. Il a fait comprendre aux autres qu'il fallait rouler plus fort, mais personne ne l'a vraiment fait, quoi. Mmh. Bon, surtout Valgren, il a absolument rien branlé, mais bon, lui, à la limite, je suis habitué. Donc, non, mais c'est quand même incroyable. Tennyson, au début, il la joue un peu raton, mais... deuxième partie, quand vraiment ça attaque sur les 10 bornes suivantes, lui aussi il s'y met, il est actif. Mais Mikael Valgren, c'est une catastrophe ce coureur. Je me suis concentré sur lui, j'en avais marre de le voir tellement il est tout le temps en queue de peloton. En fait, moi je comprends pas. Au bout d'un moment, j'ai du mal à comprendre ces gars-là. Insupportable. Parce que le scénario, on l'a vu 10 fois. Le mec est fort, il part. Je sais pas, tu regardes sur ce tour, même juste sur les 3 dernières semaines, ouais. C'est récent, ils l'ont encore en tête. Tu l'as vu avec Pauli. Tu l'as vu avec Mollema, tu l'as vu avec déjà Mohoric, tu l'as vu avec Tuns. Enfin, tu l'as vu à chaque fois. D'ailleurs. Les mecs ne sont pas capables de se rendre compte que quand il y a un gars fort dans le final qui sort, bah faut pas lui laisser 10 secondes. Ouais, Là, peut-être que Mohoric, ils n'ont pas réussi, que personne n'était capable. Mais du coup, derrière, bah roule avec les autres parce que sinon, tu as perdu, quoi. Bah non, mais je pense qu'ils étaient parfaitement capables de revenir sur Maurice, mais c'est juste que ça se regarde, t'as peur de faire l'effort de trop par rapport à ton coéquipier. On connaît, hein, le fameux dicton, hein, faisant moins que celui qui en fait le moins. Et le problème, c'est qu'il l'applique un peu trop à la règle. Et c'est un proverbe danois, apparemment. C'est là que vraiment tous les Danois ne sont pas comme ça, Joseph. Non, je vise Mikael Valgren particulièrement. Ah, il m'a foutu le seum. Et pour le coup, à ce jeu-là, bah ouais, soit tu fais ça, soit tu adoptes cette technique, et dans ce cas-là, tu joues un peu avec le risque de voir tes adversaires en profiter, soit tu es le plus fort, et Mohoric, auréolé du Super Tour de France de lui et de son équipe, de sa belle victoire et de sa force, de son énorme braquet, se dit, bah voilà, face à eux, je suis peut-être le plus fort. J'ai très peur de ce que tu allais dire. Comme dit Ulrich, c'est le dilemme du prisonnier. Comme dit Ulrich, c'est. C'est-à-dire le dilemme du prisonnier. Bah, tu sais, le dilemme du prisonnier, c'est quand t'isoles des mecs dans deux pièces différentes et tu dis, par exemple, ils ont fait un crime. Mmh. Et tu dis au premier gars, si tu balances l'autre et que lui, il ne te balance pas, tu vas pas en prison. Si vous vous balancez tous les deux et vous prenez chacun 5 ans, et si toi, tu ne le balances pas, si les deux, vous ne vous balancez pas, personne ne va en taule. Si les deux, vous vous balancez, vous avez tous les deux 5 ans en taule. Et s'il y en a un qui balance l'autre et que l'autre ne le balance pas, bah celui qui a été balancé, il fait 10 ans, l'autre 0. Ouais. Tu vois. Exactement. Et du coup, il n'y a personne qui va prendre le risque de ne pas balancer son pote parce que tu ne veux pas être celui qui se fait baiser. Et là, c'est un peu ça dans l'échappée. Personne ne veut passer son relais. Alors, désolé si j'avais perdu certains dans le chat. Non, l'idée, en fait, c'est que comme tu ne peux pas te concerter, comme tu n'es pas capable de discuter entre les personnes qui doivent prendre la décision pour t'accorder sur la meilleure décision pour tout le monde, parce que clairement, il y a la meilleure décision pour tout le monde là dans cette échappée, c'est si tout le monde roule correctement, tu le reprends, Mohoric. Ouais. Mais comme tu n'es pas capable de vraiment te mettre d'accord là-dessus, parce que tout le monde a des intérêts, à ce moment-là, ils pensent qu'ils ont des intérêts différents, bah, ça foire et personne ne gagne. Ouais, mais elle avait l'air grave bien, ta proposition de ton histoire. Attends, je te le refais, c'est super simple. Je te le refais en 10 secondes. Vas-y. Ah, vas-y. T'as deux gars qui ont fait un crime, ok ? On les emmène au commissariat, chacun dans une pièce, ils peuvent pas communiquer. Okay. Le policier, il dit aux deux gars la même chose. Soit vous balancez votre pote. Deux solutions. Lui, il vous balance aussi et vous prenez 5 ans chacun. Ou alors lui, il vous balance pas et bah toi, tu prends 0, lui, il prend 10 ans. Par contre, il y a une autre solution. Si aucun de vous ne balance rien, vous prenez tous 0. Vous allez pas en taule. Et sauf que la conclusion de l'expérience, c'est que les mecs ne vont pas oser ne pas balancer leurs potes parce qu'ils ont trop peur que de l'autre côté, ils se fassent balancer et qu'ils prennent 10 ans et que l'autre prenne 0. Comme ils n'ont pas la possibilité de communiquer entre eux et de se mettre d'accord, dans le doute de ce que va dire l'autre, généralement, ils vont balancer. Ils vont tous les deux se balancer et prendre la peine du milieu, donc 5 ans chacun. J'espère que vous avez compris. Parce que moi, j'ai très bien compris. J'avais déjà très bien compris la première fois. Mon esprit subtil. Non, mais faut. Comme on dit Polo, il y a un autre proverbe. Il y a Comars dans le chat qui dit Joseph a l'air de ne pas avoir tout capté. Je pense que vous vous concentrez sur moi là. Je pense ils n'ont pas l'oreillette en prison. Il y a un concept qui dit il faut en faire le moins que celui qui en fait le moins dans l'échappée. Il y a un autre concept qui dit en pédagogie, on va au rythme du plus lent. Bah, vous pouvez refaire une troisième fois. Je suis grave chiant pour ça.
Enfin bon, voilà. Au moins on rigole dans Wolib. C'est ça qui est cool. Du coup, voilà pour cette échappée. Ouais, c'est le plus important. Du coup, bon bah sur cette étape, on n'a rien d'autre à dire particulièrement. Ça a un peu chuté au début. On a vu Pogacar calmer un peu tout le monde, ce qui a un peu relancé aussi quelques Armstrong debates. Voilà, mais bon. Passons là-dessus. On va plutôt partir sur le débat, les amis, parce que ça, c'est un peu plus important et surtout un peu moins tendu. Parlons un peu vélo et parlons un peu français, les amis, avec ce débat. Quelle note pour le Tour des Français, sachant qu'évidemment, il reste quand même deux étapes. Donc, on va faire des top flops, Je peux te spoiler, Joseph, il n'y aura pas de victoire française sur les deux dernières étapes. Bah justement, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, c'est vrai, on ne sait jamais. Donc j'espère avoir tort. Ouais. Des petites notes, d'ailleurs, vous êtes en train de mettre des petites notes globales sur le Tour des Français, sachant que le Tour des Français, ça peut englober les coureurs français seuls dans une équipe étrangère, comme Alaphilippe, comme Bernard, comme Elissonde. Ça peut englober des notes pour les équipes, comme note pour la Groupama, Arkea, Cofidis, Total Energy, BNB et AG2R. Et ça peut aussi englober des notes pour les coureurs individuellement à l'intérieur de ces équipes. Donc après, vous faites une note et globalement, vous êtes pas mal en train de tourner autour du 11 sur 20, 12 sur 20 à ce que je vois. Il y en a des plus sévères. Je vois du 8 du côté de RT, 12 max, dit Artiflette. J'adore ton... J'ai fait un petit sondage, tiens, avant que tu lances le débat. Tu mets 8, 10, 12, 8, 3, 10, 4, 12. 5. Non, mais c'est simple, je vais faire 4 paliers, je vais faire 5, 0, 5, 5, 10, 10, 15 et 15. Attends, personne ne va mettre moins de 5. Tu peux faire des paliers de 3 à 3 à partir de 5. Genre de 5 à 8, de 8 à 11. Vas-y, non, je vais faire ça. Vas-y. 11, 14 et 14, 17, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Les dates de la guerre en plus, 14, 17. Hein, c'est vrai, ouais. C'est oh bah il a arrêté de boire, il s'est dit mais qu'est-ce qu'il raconte la troisième guerre mondiale. Oui, parce qu'il y a eu le Covid, du coup ils ont avancé d'une saison. Ah ouais, bah ouais. Ils ont avancé l'armistice. Ils ont avancé, ils pouvaient pas le faire après. Donc il va y avoir un petit sondage et donc je vais commencer à vous poser la question. On va le faire en top flop et à la fin potentiellement on réfléchira sur une note globale. On démarre par les tops, on se fait plaisir. Quel est le premier top que vous avez envie de mettre, les gars, si on vous parle de top français? Bah vas-y, moi, j'ai pas envie de le voler à Polo. Moi, honnêtement, celui qui m'a le plus surpris en bien sur ce tour, c'est Nasser Bouhanni dans ses sprints. Alors bon, il est plus là, mais il a fait 3 podiums ou 4, je sais plus. Il a fait 2e derrière Cavendish. Il a fait 2-3e places sur une 2e place. Donc voilà, je crois 3 podiums, c'est ça. Et on ne l'avait jamais vu à ce niveau sur le tour, tout simplement. Il n'avait jamais fait podium d'une étape. Donc là, il le fait 3 fois. Honnêtement, je pense qu'il n'était pas loin d'en claquer une. Alors après, 3 podiums et une 4e place. Voilà, il a perdu des coéquipiers, notamment Clément Russo et Dan Maclay. Il y a eu la montagne qui lui a fait mal, bien sûr. On l'a vu dans les Alpes qu'il était vraiment au bout du bout. Donc peut-être que sa chance, elle était finalement dans les 10 premiers jours. Mais voilà, j'ai jamais autant cru à une victoire de Bouhanni sur le tour. Voilà le premier top. Est-ce que tu le valides, ce top, Polo? Tu as terminé le sondage? Bah écoute, je l'avais terminé, j'ai ripé, ça m'a fait revenir en arrière. Donc je recommence. Eh bien, écoute, on va partir sur un deuxième top du coup de Robin. Bah non, mais attends, je peux. T'inquiète, on va. Non, mais Polo, après on revient, tu donnes ton avis. Ah, d'accord. J'ai fait très court, Polo. J'ai fait très court. Un deuxième top que Paul va, je pense, valider parce qu'en fait on les a fait ensemble. C'est Franck Bonamour. On est toujours. Ouais, bah, vite fait. c'est Franck Bonamour qui a animé le tour, surtout depuis une semaine là. Il était partout dans les échappées et ça montre quand même quand t'es capable de prendre les échappées de troisième semaine que t'assumes bien parce que c'est pas évident, c'est pas les échappées publicitaires des premiers jours. Honnêtement, il a bien représenté l'équipe BNB. Il aurait mérité un podium d'étape. Alors ça n'apporte pas grand chose un podium d'étape, mais voilà, symboliquement une victoire d'étape. Il a jamais paru très proche d'en gagner une, mais c'est la première fois qu'on le voit à ce niveau là et je pense que c'est prometteur pour la suite et pour les prochains tours où il viendra. C'est un baroudeur qu'il va falloir surveiller et qui un jour pourra en claquer une.
le sondage est dispo. C'est bon, j'ai mis le sondage. Pour Polo. Polo, du coup, on a avancé deux noms en top. Bouani et Bonamour, lequel tu mets vraiment en top, top, top. Comme dirait notre ami Thomas Tuchel. Le top, je pense qu'on peut, on peut un peu en discuter dans le chat, et je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec moi, alors que je suis emmerdé avec mes fenêtres, voilà, c'est bon. Voilà, le top, top français, c'est Julien Lafilippe, encore une fois, et Dieu merci qu'il soit là, avec cette victoire d'étape magnifique le premier jour, avec, avec ce maillot jaune porté, il sauve le Tour des Français. Alors moi, je veux bien qu'on me dise que il a pas assez gagné ou qu'il a pas, il a pas été assez bon ou quoi que ce soit. Avec la préparation qu'il a eue, etc., l'esprit complètement ailleurs, faire ce qu'il a fait, c'était exceptionnel. Il a honoré le Tour de France, il a honoré son maillot. On l'a vu tous les jours. C'est le contraire de Wilco Kelderman, Julien Philippe sur ce Tour de France. Alors certes, il n'a pas eu il a pas eu la réussite qu'il a pu avoir d'autres années précédentes. Et encore, hein, il prend quand même une étape, il prend le maillot jaune. C'est l'étendard de ce cyclisme français. Il a parfaitement honoré son statut. Donc bravo à lui d'avoir sauvé le Tour de la France pendant ces trois semaines. Alaph avait une pancarte monumentale aussi sur chaque étape dans laquelle il pouvait jouer un rôle. Je voulais réagir là-dessus, je suis complètement d'accord. Déjà, tu es à la Philippe, en plus, tu as le maillot de champion du monde. Ça veut dire que dès que tu es quelque part, on te surveille, on te regarde, on te demande des relais, on fait attention, on se méfie de toi. Donc, c'est pas un statut facile. On aurait tous aimé qu'à la Philippe, il gagne une deuxième étape, peut-être même une troisième, qu'il garde son maillot jaune plus longtemps. Mais quand tu fais victoire d'étape, maillot jaune. C'est quand même la fiabilité incarnée depuis 2018 sur le Tour, Alaphilippe. Et quand il vient, il gagne forcément. Depuis 3 ans, même, il prend le maillot jaune. Il y a pas grand-chose à dire. Évidemment, tu peux toujours espérer plus parce que avec ce qu'il nous a habitué à donner, il y a jamais de limite. S'il avait gagné deux étapes, on en aurait réclamé une troisième. S'il en avait gagné trois, on aurait réclamé un maillot à poids, voire un classement général. Donc, il n'y a jamais vraiment de limite à se dire « Ok, là, c'est bon, il a fait le max, il ne pourra pas faire plus. » Mais à partir du moment où tu gagnes, où tu es en plus le seul vainqueur français, où tu as porté le maillot jaune, il n'y a rien à dire. Et du coup, voilà, Alaphilippe, Bonamour, Bouani, voilà nos trois tops. Et on peut peut-être ajouter une équipe, les gars, qui est AG2R Citroën, qui fait presque un podium avec Ben O'Connor. Ouais, bien sûr, Ben O'Connor fait un tour fantastique et cette équipe AG2R Citroën revient de très loin. À partir du moment où, au bout de 3 jours, toute ton équipe, mais vraiment toute ton équipe a chuté, tu dis que ça commence mal pour AG2R. Alors après, il y a eu fortune diverse pour les différents protagonistes de l'équipe, mais Aurélien Paré-Peintre fait un super tour. O'Connor va sûrement faire top 5. Franchement, c'est hyper encourageant pour cette équipe qui doit se reconstruire après le départ de Romain Bardet sur les grands tours, en tout cas. Après, Cosnefroy, Pafolichon, Van Avermaet, on l'a pas vu du tout. Oliver Nassen, mais ça, on ne pouvait plus s'y attendre. Et le reste, c'était vraiment des coéquipiers. Mais quand tu regardes un peu quand tu fais le bilan un peu de cet équipage AG2R, il est excellent. Il est excellent grâce à Ben O'Connor. Il y a Ben O'Connor qui dit notamment, Chris nous dit dans le chat qu'il a dit qu'il a eu de très bons mots assez émouvants sur l'équipe, ça sent la bonne ambiance, ce qui est très positif. Effectivement, on peut avoir ensuite des mentions pour comme le dit Niobol, sur Julien Bernard et Kenny Elissonde, qui, un peu à la manière de Franck Bonamour, a peut-être un tout petit peu moindre niveau parce que eux ils devaient aussi potentiellement bosser pour Mollema, pour Stuyven de temps en temps, mais eux ont aussi largement tenté mais pas forcément réussi, mais en tout cas ils ont fait un beau Tour de France. Dans une catégorie intermédiaire en fait, où ils ont pas déçu. Après, est-ce que c'est des satisfactions spécifiquement, je suis pas sûr. Parce que Elissonde et Bernard, on les connaît quand même depuis longtemps. Donc,
On les a vus dans des échappées, mais on en attend peut-être un peu plus. Et Bonamour, on est très satisfait de son tour cette année, parce que c'est la première fois qu'on le voit à ce niveau. Mais s'il fait ça pendant 5 ans et qu'il n'en claque jamais une, on va finir par être déçu, parce que tu es censé avoir une ascension, une progression. Voilà, Elissonde et Bernard, on les connaît depuis longtemps, et maintenant, ce qui en ferait des satisfactions, c'est qu'il claque une étape. Voilà, moi, je les mets dans une catégorie intermédiaire avec Latour et avec Guillaume Martin. Latour qui a été très bon par moments, qui m'a impressionné dans le Tourmalet, qui m'a impressionné aussi sur la première étape où il avait tenté de suivre Alaphilippe, et Martin qui fait un tour mitigé. Il y a certaines journées tu es super content pour lui, certaines où tu trouves que c'est décevant, mais qui au final va aller chercher un top 10 qu'il a jamais eu sur le Tour. Il n'a pas eu cette étape encore et il court après, mais voilà, il nous a montré en tout cas qu'il était persévérant, parce qu'il est allé dans un nombre d'échappées incalculable et il va finir par avoir une 8e ou une 9e place. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on met Guillaume Martin dans cette catégorie et pas dans les flops, même si je pense que certains dans le chat le mettraient dans les flops, mais il va quand même chercher un top 10 sur un grand tour. C'est sa meilleure place sur un grand tour, lui qui s'est souvent buté sur des places d'honneur dans le top 15, entre le top 10 et le top 15. Il a bien fini les Pyrénées, notamment l'étape de l'Isard d'Iden, où c'est bien accroché quand d'autres de ses adversaires ont eu un peu de mal. Voilà, je suis content pour lui. C'était pas ce qu'il était venu chercher, il était plutôt venu chercher une victoire d'étape. À la pédale, il avait peut-être pas la possibilité de le faire. Il retombe sur ses pattes avec un beau top 10. C'est dans la catégorie intermédiaire entre le top et le flop, quoi. Mais ça aurait été dur de le mettre en flop. Dans laquelle aussi on peut potentiellement mettre Pierre Latour, qui d'ailleurs, ouais, c'est sûr, n'a pas fait partie de la descente de la police, hein, non plus. Je me demande s'il est bon au bar, du coup, avec ce genre de qualité en descente. Mais non, Pierre Latour. Ouais, il doit être moins stressé. Pour descendre une bière, c'est moins stressant que descendre le tour. C'est ça. Oh là là, attention, dis pas ça à Polo. Ça dépend si tu dois la faire vite ou pas. Moi, si on doit la faire vite, je joue battu. Bah oui, mais c'est le problème de la tour, c'est qu'il doit la faire vite, sinon. Ouais, c'est pas faux. Mais pour le coup, la tour, on l'a vu dès la première étape à Landerneau, on l'a vu en forme. Après, on l'a vu faire des beaux raids. Cette étape sa montée du Tourmalet est vraiment excellente et elle, je pense qu'elle a dû lui redonner espoir quand même, parce que il revient de loin depuis fin 2018, et voilà, depuis cette période là il c'est quand même compliqué, il a changé d'équipe, surtout qu'on n'avait pas énormément d'attente sur la tour et on n'avait pas énormément d'attente. Moi, je l'imaginais pas pouvoir revenir à ce niveau là alors après, il y a des petites choses à gommer. Les descentes, c'est même des grosses choses à gommer, les descentes, peut-être la tactique aussi, parce qu'il a un peu fait n'importe quoi, mais en tout cas, comme dit Coric, belle attitude, mais son équipe est cata, j'avais pas eu la suite, bon, ça c'est un autre problème, mais en tout cas, belle attitude et des bonnes jambes, donc ça fait plaisir pour Pierrot. Et après, du coup, on arrive à la partie un peu moins sympa à faire, mais il faut quand même la faire. C'est du coup les flops français. Et là, forcément, on ne va pas être d'accord tous ensemble, mais il faut passer par là. Et puis, on n'oublie pas que quand on dit flop, c'est un mot qui est un peu grossier, mais c'est surtout quel coureur aurait potentiellement pu aller chercher quelque chose, nous a déçus. Il y a eu des chutes, il y a eu des maladies, mais ça fait partie du sport, ça explique les choses. Mais voilà, des fois, on attend aussi pas mal de certains coureurs qui méritent aussi d'avoir potentiellement un peu mieux, mais qui, au final, factuellement, ne l'ont pas. Donc, quand tu regardes le résultat, qui est déçu aujourd'hui de son Tour de France, selon vous, les gars? Les deux leaders, j'ai envie de dire, de Groupama FDJ, dont on attendait beaucoup, qui est l'équipe française la plus en vue depuis plusieurs années, qui a les leaders qui marchent le mieux, qui a un Arnaud Démare qui avait roulé sur le Giro l'année dernière, un Godu qui est un des coureurs les plus prometteurs de France, et un Thibaut Pinot qui nous a déjà montré qu'il pouvait presque gagner le Tour, même si cette année il n'était pas là. Donc forcément, tu as des attentes vis-à-vis d'une équipe comme ça. Et au final, Démare, il termine hors délai. Il n'a pas réussi sur les premiers sprints qu'il a eu à disputer à aller claquer une étape, alors qu'en plus, la concurrence n'était pas la plus rude des Tours de France de ces dernières années. Il y avait notamment Pat Caleb Ewan qui avait vite abandonné. Et puis ensuite, tu termines hors délai. Bon, hors délai, c'est sévère. Enfin, c'est,
c'est dur, mais le problème, c'est que les autres sprinteurs, ils passent, quoi, la majorité. Et du coup, Demar, ça fait quand même deux fois qu'il est hors délai sur le Tour de France. Alors, est-ce qu'il est autant largué que ça par les autres sprinteurs? Mais quand tu vois que Cavendish, il en a chié, mais il est passé, quoi. Et pourquoi Demar lui passe pas? Et puis, Gaudu, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, mais il aurait fallu aller chercher une victoire d'étape, pour moi, pour qu'il réussisse son tour. Un top 10, au général, aurait, disons, sauvé son tour. Mais il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, avec une victoire d'étape, il aurait été dans les tops. Avec un top 10, peut-être qu'on le mettait dans l'entre-deux. Mais sans rien, c'est forcément une déception. Non, mais c'est clair. Je vais pas paraphraser ce qu'a dit Robin. On est plutôt d'accord dessus. Certains nous ont dit dans le chat, pendant que tu discutais, qu'on était peut-être un peu dur avec David Gaudu. Bah, en fait, il y a les attentes et les résultats. Évidemment qu'on va être plus déçu d'un coureur de la Total Direct Energy. Justement, on va être plus déçu avec David Gaudu que qu'avec un coureur de la Total Direct Energy, parce que Gaudu, il nous annonce une volonté de faire un top 10, voire mieux, de jouer le général, avec les belles promesses de ses courses de préparation, notamment au Pays Basque. Et finalement, Liège, Paris, troisième Liège. Et de Liège, tout à fait. Et finalement, tu arrives, t'as pas un top 10 et t'as pas une victoire d'étape. Donc, c'est naturellement une déception. Alors après, l'idée, c'est pas de le condamner ou quoi que ce soit, parce qu'il a vraiment été fort. Moi, j'ai beaucoup aimé son panache. C'est d'ailleurs l'un des seuls coureurs, en tout cas parmi les grimpeurs pseudo-favoris, je trouve, avoir eu un peu de panache sur ce Tour de France. Il a tout tenté. Après, moi, je trouve que finalement, après coup, quand tu analyses un peu que les Pyrénées, les étapes pyrénéennes, elles n'étaient pas faites pour des échappées ou pour des coups tactiques au long cours. Voilà, il a manqué un peu de chance. Il a peut-être pas pu profiter d'un tracé qui lui convenait pas forcément pour essayer de lâcher les favoris autres qu'à la pédale, quoi. Et est-ce qu'on peut rajouter aussi des mecs comme Cosnefroy, Barguil? On rappelle que Cosnefroy a lourdement chuté dès le Tour de France, que Barguil a abandonné à la 14e étape en disant que lui aussi avait lourdement chuté, qu'il avait très très mal au dos, qu'il ne pouvait plus forcer, et aux fesses aussi, qu'il ne pouvait plus forcer dans sa jambe droite. Il s'est un peu retiré. Avant ça, il n'avait pas forcément chuté, il n'avait pas été présent dans les Alpes notamment. Est-ce qu'il y a un de ces deux qui vous a un peu déçu, peut-être un peu plus que l'autre? T'as cité Barguil et qui? J'ai pas entendu. Barguil et Cosnefroy, du coup. Ah, Barguil, ça va peut-être pas être un peu dur ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que le fait de chuter et de se blesser, ça lui évite d'aller dans les flops directement, parce qu'on l'a pas assez vu sur ce Tour de France, et que si on l'avait plus vu que ça, je suis pas sûr qu'il aurait fait un tour extraordinaire. Quand on voit celui de Quintana et la forme globale de cette équipe Arkea quand la route s'est élevée, même un Eddy Gesberg qui était plein de promesses, notamment avec son beau tour d'Algarve, bah, je n'en ai pas trouvé un seul au niveau. Donc, je n'imaginais pas Barguil faire un Tour de France extraordinaire. Donc, je ne le mettrais pas en flop. Cosnefroy, pour le coup, qui avait l'air de bien revenir avec une bonne flèche wallonne, il avait bien terminé son printemps malgré les blessures. Bah là, on l'a pas vu du tout, quoi. Inexistant chez inexistant, il a même pas réussi à prendre une échappée ou à se montrer, alors qu'il en avait la volonté et qu'il avait l'air de dire que ça allait pas trop mal. C'est dommage. Mais pour le coup, Cosnefroy, vrai flop, et Barguil, bah, on n'a pas vu, donc c'est un peu dur à analyser. Surtout que Cosnefroy avait de vraies ambitions sur le premier week-end. Bah ouais, c'est clair. Donc et voilà. Cosnefroy, il visait une étape, voire même plus, tu vois, voire même le maillot jaune, quoi. Clairement, c'était parfait pour son profil et il a été inexistant. Ça n'a pas été le cas. Ok, les gars, bon, bah voilà, on a fait le tour, je crois. On a parlé d'un peu tout le monde, mais sachant qu'on est évidemment déçus, hein, de l'équipe globale de Total Energy. Et puis voilà, je crois qu'on a fait pas mal le tour de ce débat-là. On passe du coup à la preview de la 20e étape, Pogacar, Kung, Van Aert. On est en retard, hein. Non, t'inquiète, il nous reste 7 minutes pour faire 4 catégories, on est grave dans les temps. Et donc on va parler de ce contre-la-montre, voilà, qui ressemble quand même pas mal au premier, avec une étape de montagne, hein. Les gars, étape de montagne, hein, vous le voyez à,
au deuxième intermédiaire, c'est écrit montagne. Donc, il faut faire attention. 31 km entre Libourne et Saint-Émilion. Les gars, est-ce que les trois que j'ai mis dans le synthé, Pogacar, Van Aert et Kung, sont les trois hommes que vous attendez, ou il peut y avoir notamment des Bisseger, comme c'est proposé dans le chat? Je sais pas. Moi, j'ai, au vu de la forme affichée après trois semaines, etc., j'imagine que si Pogacar le fait à fond, je vois pas dans quelle mesure il peut perdre ce chrono. Alors après, comment est Stephen Kung, comment est Bisseger, ce sera une vraie interrogation. La logique me pousserait à dire que je vois bien Kung, mais je pense que c'est pas vraiment la logique, c'est plus la volonté de le voir gagner. Après, j'ai quand même du mal à imaginer Pogacar, s'il le fait à fond, encore une fois, hein, peut-être qu'il va pas le faire à fond. Peut-être qu'il va la jouer cool, qu'il va peut-être laisser l'étape au rouleur. Mais s'il le fait à fond, il va gagner. C'est pas possible autrement. Et Robin est parti. Robin, il a disparu. Il a disparu, Robin. Je sais pas où il est. Mais bon, ce qui est ouf, c'est que si Pogacar gagne, ce sera la quatrième victoire slovène de suite sur ce Tour de France. Ouais. La troisième pour Pogacar en 4 jours. Donc, ce serait assez fou, ouais, pour notre ami slovène de 22 ans. Il y a Tartiflette qui rajoute que Vingegaard, on ne sait jamais. Tu as totalement raison. Vingegaard, il va devoir de toute manière le faire à fond. Globalement, je pense que les membres du top 10 vont tous le faire à fond pour ne pas perdre leur place. Donc, je suis quasiment persuadé, Paul, je te suis assez. Il va le faire à fond, Pogacar, et à mon avis, il est largement favori. Par contre, Wout van Aert, lui, aujourd'hui, par exemple, avait décidé que, quoi qu'il en soit, ne ferait pas le sprint. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit. Pour le coup, c'est un vrai outsider, Wout van Aert. Ouais. C'est son vrai objectif, même de mi-tour de France, il commençait déjà à le dire que l'objectif serait vraiment de faire un bon contre-la-montre. Il est passé à côté, comme nous disait Excess tout à l'heure dans le chat, il est vraiment passé à côté du premier. Donc, il aura à cœur, à mon avis, de faire lui aussi un bon chrono. Je pense que, voilà, comme dit Mr. John 99, le podium sera dans le désordre, ce sera Pogacar, Kung et Van Aert. Ouais, c'est effectivement possible. Donc on a perdu Robin, malheureusement. En tout cas, voilà, je voulais vous mettre quand même pour rappel les résultats de du premier contre-la-montre qui avait eu lieu, qui avait été gagné par Pogacar, avec 19 secondes d'avance sur Stephen Kung. Donc on imagine quand même que Pogacar a un peu plus de fraîcheur peut-être dans ce Tour de France, je ne sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Et Pierre Latour, je mettrai bien une pièce sur Pierre Latour demain. Je vais t'amener 15e. Petit top 10 pour Pierre Latour. Petit top 10, pourquoi pas. Bah, devant lui, il y avait qui? Richie Porte qui potentiellement ne finit pas très très fort. Roglic qui n'est plus là. Asgreen qui potentiellement peut être fatigué. Van Der Poel qui n'est plus là. Ouais, effectivement, il peut gratter et aller chercher un bon top 10. On verra où finit Uran notamment. Ouais. Mais ouais, j'aime bien ce petit bête Polo. Top 10 Latour. Trop plat pour Alaph, non. En tout cas, il n'a pas été très clair déjà s'il le faisait à fond ou non. Ouais, je sais, honnêtement, je sais pas. Je pense qu'Alaphilippe, il va le faire à fond. Mais est-ce qu'il a les jambes? Est-ce qu'il a l'envie? Est-ce qu'il a le supplément d'âme pour le faire? Je sais pas trop au niveau du parcours si c'est très technique ou pas. Si c'est à peu près les mêmes routes qu'on a vues aujourd'hui, c'est pas. Il y a pas. Ça tourne pas mal. Regarde, ça tourne pas mal. Donc il y aura quand même un peu de. Il y aura quand même un peu de personne de habite dans le coin dans le chat. Ouais, si des gars habitent dans le coin et que vous avez des petites infos sur le parcours, n'hésitez pas à nous le dire, les gars. Mais de toute manière, Alaphilippe, ouais, voilà, comme le dit Palazar, c'est exactement ça. Je pense que son objectif, c'est de déposer Cavendish à 150 mètres de la ligne avec son équipe pour dimanche. Quoi. Il le dit pas, Lazar, du coup. Oh. Allez, juste passons. Le blanc. Tu ne m'accordes rien, Paul. Non, c'est pas non, possible. Non. Jusqu'au bout, je serai le rabat-joie de cette communauté. Ok, bon, en tout cas, Robin, il est où tu es, Robin? Peut-être on va lui envoyer un message, Joseph. J'ai envoyé un message parce que là, c'est couillon parce que c'est quand même l'heure de la rétro. Ah ouais, effectivement. Donc, et là, j'avoue qu'on risque d'être un peu dans le dur. Ah, vous savez quoi? On va attendre. Il est là. Il arrive. Ah, il est là. Ah bah alors, t'étais passé où? Faut que je te rajoute du coup, mon Robin. Alors du coup, les gens ne t'entendent pas. Attends, Robin, parce que les gens là, pour le coup, ne t'entendent pas. Donc, il faut que tu le remettes sur OBS.
Voilà, exactement. Donc, il faut que je remette Robin sur OBS. Hop. Et vous allez le voir arriver en théorie. Et voilà. Du coup, Robin, quel est ton avis sur cette petite preview? Voilà, c'est bon. Tout le monde te voit. Moi, j'ai tout dit. Hein. Donc, voilà. Toi. Ouais, j'écoutais Polo en même temps. En fait, j'ai utilisé tout l'internet de mon téléphone, donc ça s'est coupé et il a fallu que j'utilise un autre téléphone pour me mettre internet. mais du coup, je pense que j'ai écouté Polo dire que Van Aert était un gros outsider, j'y crois aussi. Et le trio Pogacar, Kung, Van Aert, j'ai du mal à me décider, mais c'est clairement le trio du jour. Très bien, très bien. Du coup, heureusement que tu es revenu, Robin, parce que là, ça va être ton moment. Ça va être le moment de parler d'Eddy Merckx du côté de Mourinx et de cet exploit incroyable. C'est à toi. Allons-y. Donc, comme je vous ai dit, je voulais parler de Merckx parce qu'il s'est passé quelque chose à Mourinx pour Eddy Merckx en 69. Heureusement, sinon on n'aurait rien fait aujourd'hui. Exactement, on aurait annulé. En 69, Mourinx est ville étape du Tour pour la première fois. Et bon, c'est pas qu'il se passe quelque chose de spécial à Mourinx en particulier. Mais on y juge l'arrivée de la 17e étape, pardon, qui, elle, va être exceptionnelle. C'est une étape au départ de Luchon. Eddy Merckx est en jaune pour ce qui est son premier Tour de France. Il a de plus en plus d'avance sur son dauphin, qui est Roger Pinjon. Il a creusé déjà la veille un peu plus et il a 8 minutes d'avance sur Pinjon. Il a déjà remporté 3 étapes, une au Ballon d'Alsace, une dans les Alpes et un contre-la-montre. Donc tout va bien, ce Tour de France est déjà marqué par l'empreinte d'Eddy Merckx et il n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Mais ce jour-là, on doit grimper dans l'ordre Peyresourde, l'Aspin, le Tourmalet, le Soulor et l'Aubisque. Donc pas un petit programme. Et Merckx avait en fait coché l'étape. Il avait d'ailleurs demandé à son équipe de rouler dès l'Aspin, mais il n'imaginait pas faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire attaquer dès le Tourmalet. Ah, et ça démarre du coup avec une question d'orgueil. Il va chercher son coéquipier contre qui au final il était quand même bien énervé. Ouais, c'est ça, tout démarre avec ça, une question d'orgueil, d'ego, de déception finalement presque amoureuse, on a envie de dire, ou en tout cas ici amicale, puisque quelques jours plus tôt, Merckx a appris que son coéquipier qui s'appelle Martin van den Bosch allait le quitter, l'équipe Faema, ou Faemino à l'époque plutôt. Il allait partir signer chez Molteni. Donc Merckx est très vexé, surtout de ne pas avoir été prévenu avant. La suite de l'histoire, c'est surtout que Merckx ira lui aussi chez Molteni et qu'il retrouvera cet équipier. Mais du coup, quand il voit Van den Bosch accélérer pour aller prendre les points de la montagne au sommet du Tourmalet, Merckx décide d'y aller lui aussi. Il expliquera la situation. Il dira « J'étais déçu, presque fâché. Alors j'ai accéléré juste pour passer en tête. À l'époque, il n'y a pas de maillot à poids, mais il y a un classement de la montagne. Donc on compte quand même les points. Merckx passe en tête et on pense qu'après ça il va se relever et que voilà, il a entre guillemets sanctionné son coéquipier, mais il fait la descente, il prend de l'avance, son directeur sportif qui s'appelle Dries Hans à l'époque lui demande de ralentir et d'attendre, lui il fait mine d'écouter mais en fait il continue, voilà, il est tout seul, il reste 140 km pardon, et il part dans un raid absolument incroyable. Il reste deux cols, le Soulor et l'Aubisque, il les passe, il creuse son avance dans chacune des ascensions, et il arrive à Mourinx, maillot jaune sur le dos, casquette verte sur la tête, pour marquer le fait qu'il est aussi en fait le leader du classement par points. Ah ouais, ok, donc il veut vraiment montrer qu'il prête pas ses maillots, il prête pas ses couleurs. C'est monstrueux comme exploit. Ouais, bah, il prête son maillot, mais il garde une casquette pour quand même rappeler à tout le monde qu'il est en tête du classement en vérité. Ouais, c'est un exploit incroyable. Léon Zitrone, qui commente le Tour de France à la télévision à l'époque, il s'écrie à l'arrivée « Vous êtes un seigneur » en parlant d'Eddy Merckx. Et le Belge relègue finalement tout le monde à 8 minutes, enfin tout le monde. Ses premiers poursuivants, parce que c'est un petit groupe de 7 qui arrive avec Pinjon et Poulidor, qui sont sur le podium du classement général. Mais au-delà de ces 7-là, les autres, ils arrivent à plus d'un quart d'heure de Merckx, voire certains à une demi-heure. Donc bref, il y a des écarts assez incroyables. Et Merckx, il dit à l'époque, même si je suis arrivé épuisé, je suis heureux d'avoir réalisé une chose qui restera, je crois. Bon, il ne s'est pas trompé, ça restera dans l'histoire. Le lendemain, l'équipe titre Merckx surpasse Merckx. Donc c'est un exercice en même temps d'orthophonie. Et Merckx dira des années plus tard... À laquelle je ne tenterai pas. Merckx dira des années plus tard, je crois que c'était au départ de Bruxelles il y a 2 ans sur le Tour, Mourinx reste sans doute mon plus bel exploit, voilà, et ce sera même pour l'anecdote l'un des noms des vélos d'Eddy Merckx, de sa marque de vélo. Ouais, c'est vrai. Merckx 1969, la marque.
Et d'ailleurs, c'était AG2R qui était encore sur des Mercs l'an dernier, je crois. Mais je ne sais pas si en World Tour, il y a encore des équipes qui sont sponsors par Mercs. Je ne suis pas sûr. Ça a été assez court, je crois, la collaboration AG2R Mercs. Ouais, elle n'a pas été très satisfaisante, d'ailleurs, du côté, malheureusement, du côté d'AG2R, je crois. D'ailleurs, ils ont changé. Mais en tout cas, globalement, ouais, c'est sûr que cet exploit, quand on parle d'exploit merxien, c'est notamment cet exploit-là. Hein, c'est l'exemple typique. Revient. Ouais, c'est l'exemple typique, effectivement. Et c'est ce qui a fait. C'est ce qui a marqué tout le monde, et comme tu nous en parles aussi, comme ça a été accueilli, hein, tout le monde était ouais, ébahi par cela. Merci Robin, du coup, demain, attention, hein, la dernière. Hein. Ouais, bon, je pense qu'on va parler des Champs-Élysées, un peu en avance. Ok, très très bien. Chatroom, les gars, on prend 2-3 questions, on est à la bourre de... Je voulais parler d'un truc dans la chatroom, les gars. Non, mais s'ils ne posent pas la question, on n'en parlera pas. Bah écoute, peut-être qu'ils vont me poser la question. Bah, du coup, pendant 30 secondes, on parle pas et on attend. Non, en vrai, je ne sais pas si vous avez vu ça. L'article du site suisse, Le Temps. Enfin, où, c'était payant, ça, Polo. C'était payant, mais du coup, RMC, RMC a retranscrit un peu ce qui se disait. Ah, et il y a 3 coureurs du peloton qui enquêtent sur des bruits suspects venant des roues arrière de vélos de 3 équipes, le Team UAE, la Deceuninck Quick Step et la Bahrain Victorious. Et ces 3 coureurs anonymes qui enquêtent et qui ont trouvé pendant ce Tour de France dans le peloton que certains bruits... Jean-Mur, si tu peux nous faire un petit résumé, d'ailleurs, si tu as lu l'article entièrement, fera état de certains bruits assez suspects dans les roues arrière des vélos. Alors, ce serait... Ça, c'est ouf. Il y a Jumbo aussi, oui, pardon. Il y a le cycliste qui essaie de donner un lien, mais ça passe pas. Ouais, et, non, les liens, malheureement, ils ne passent pas sur Twitch, mais... Moi, je l'ai vu 3 équipes, mais je regarde attentivement. J'ai vu que ça parlait du UAE, Jumbo et Bahrain, moi. Ouais, UAE, Jumbo, Bahrain et donc non, et Deceuninck. En tout cas, RMC parle de Deceuninck. Ouais. Donc, ce serait assez fou. Mais quoi qu'il arrive. D'après Penspast, les freins à disque qui rechargent les batteries, soi-disant. Bon. D'ailleurs, les freins à disque, ce serait la première fois de l'histoire qu'un vainqueur du tour est en frein à disque. Ouais. Il ne les avait pas l'année dernière ? Non, l'année dernière, il était à patin. Et du coup, c'est assez fou. Ouais. C'est la récupération d'énergie façon Formule 1. Quoi. Écoute, on verra. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas la première fois que j'entends, notamment au niveau de la Deceuninck, est-ce que c'est autorisé ou pas, je ne sais pas. Mais beaucoup de coureurs et de staff se plaignent en fait de la qualité du matériel, notamment chez Specialized, qui est au-dessus de la moyenne. Alors moi, je me suis toujours dit que si les autres ils se plaignent, ils ont qu'à prendre des vélos Specialized. Mais déjà ça fait partie du vélo que certains aient du meilleur matos. Et si tu veux le meilleur matos, soit tu changes tes partenaires, soit tu prends des vélos Specialized et tu les maquilles avec ton sponsor. Ouais, donc voilà, à voir par la suite, mais je pense que tu vois, si dopage il y a, j'ai plus sur peut-être du dopage mécanique, ça semble. Enfin, tu me diras, au final, on commence à dire n'importe quoi, mais en tout cas, ça paraît pas déconnant. Et si je me dis que si quand même trois coureurs qui sont quand même du milieu se disent. Que, ça Joseph, Paul et Robin qui sont dans le peloton et qui me disent putain, j'entends des bruits chelous, c'est pas normal. C'est pas nous qui le disons, quoi. C'est des mecs directement concernés, donc c'est assez fou d'imaginer ça. J'ai essayé de retrouver si c'est bon, je l'ai. Moi, je pense que c'est non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'arrive, les gars, c'est bon, je l'ai. Je vais mettre dans le chat le lien. C'est le lien Le Temps. De l'article Temps, mais voilà, faut payer si vous voulez avoir, mais je pense que ça vaut le coup. Ouais. Donc, et voilà, puis au pire, vous payez 1€ et après vous vous désabonnez. Mais Le Temps fait des très bons contenus généralement sur le sport. Oui, exactement. Et puis de toute manière, hein, c'est pas nous qui allons vous dire que c'est pas normal que ce soit payé pour que les médias marchent. Eh bien, il faut que
il faut que ce soit payant de temps en temps quand même, les amis. Voilà, voilà, bah, c'était important. On avance un peu, en tout cas, c'est assez ouf. Ce dont tu parles, Polo. Regardez le point, ils en parlent aussi, dit le cyclisteur. Bah voilà, vous aurez quelques informations sur le point. La course que vous attendez le plus d'ici la fin de saison, demande Aurel. Les championnats du monde ou le Tour de Lombardie. J'attends avec la Volta parce que j'en parlais déjà hier. On est toujours très hypé par la Volta, mais j'attends d'avoir la start list quand même finale avant de me surhyper. Et de toute façon, non, là, je préfère me concentrer là, pour la fin de saison sur les courses d'un jour qui m'excitent un peu plus que les grands tours. En fait. Un grand changement dans la philosophie de Polo. Hein. Bah, c'est pas un grand changement, mais là, pour le coup, ce Tour de France m'a mis un bon coup derrière la tête. Et pour le coup, on va essayer de se concentrer sur d'autres courses avec d'autres coureurs et peut-être des courses plus ouvertes, plus indécises. Moi, c'est Roubaix que j'attends, Polo. Et oui, il y a Roubaix, c'est ça que j'allais dire. Putain, mais c'est pas sûr, cela dit, c'est pas sûr, hein, encore. Ouais, parce que ça a changé de préfet. Et il n'est pas très chaud, le nouveau préfet, apparemment. Donc, bon. Alors que celui d'avant, il était déjà pas bien chaud. Il était bien frileux, celui d'avant, déjà. Effectivement. Et les JO, oui, on attend un peu, mais il faut réveiller à 4h du matin pour les JO. Ouais. On rappelle. D'ailleurs, Remco revient autour de Lombardie. Remco, il fait les JO, il me semble. Donc, on le verra aux Jeux Olympiques, Remco. Un mot sur la stratégie nutrition des Jumbo interdite par l'UCI, entre parenthèses, patch de lecture glycémie en temps réel. Alors là, j'avoue que je lis la question pour dire qu'en fait, ce genre de truc, on aimerait bien se renseigner hyper bien avant. Je ne sais pas si vous avez un avis hyper fort là-dessus. Pas du tout. Ouais, voilà. Donc restons. On en parlera dès qu'on. Mais c'est intéressant si tu as un truc pour regarder un peu ça parce que carrément. Ça ne me parle pas du tout. Si vous avez des liens, mettez-les sur Discord. Ouais, vu qu'on ne peut pas mettre les liens sur Discord. Mettez-les sur Discord. Tout à fait. Ouais. Voilà, histoire de savoir. Et tac, 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 est-ce qu'il y a un lien Discord dans le chat? Je regarde. On en met un d'ici la fin de l'émission. Je vais en mettre un là. Vas-y, continue, je vais aller chercher. Ok, au top. Une dernière petite question. Est-ce qu'il y a une petite question qui nous intéresse? Passe au quiz. Allez, une petite dernière, le temps que tu mettes le lien. Vas-y. Remco qui revient autour de Lombardie, vous en passez quoi, les gars? Ah bah tu viens de l'apprendre, ok, ouais. Bon, il n'y en a pas. Ah si, la Clan Morton, on peut dire bravo quand même. Ah bah oui, Morton, ça qu'on a fait, on a pas du tout parlé. Hein. Putain, il a régalé. Si vous ne l'avez pas suivi, c'est un coureur de EF Nippo qui n'était pas pris sur le Tour de France et qui a décidé de faire quand même le Tour de France tout seul avec en plus les transitions. Donc, aventure absolument géniale. Il faut absolument regarder ce qu'il a fait si vous ne l'avez pas fait directement sur ses réseaux sociaux. Il faisait des interviews tout le temps. Il avait un vélo. Si vous aviez vu tout ce qu'il avait dessus, c'est génial, visuellement parlant aussi. Il a énormément de style. Donc, ça ajoute un peu aussi au côté aventurier, etc. Mais complètement dingue ce qu'il a fait, les gars. Je ne sais pas si vous avez pu suivre un peu, mais c'est sportivement, humainement. C'est génial, quoi. J'ai suivi de loin. Pour le coup, il est coutumier du fait quand même. Morton, c'est quelqu'un qui aime bien faire ça. Je t'avoue que j'ai pas suivi dans le détail. J'ai pas mal suivi son arrivée sur les champs, notamment grâce à Jocelyn Rioux, le journaliste d'Eurosport, qui lui pour le coup l'a pas mal suivi. Donc on permettait d'avoir un peu des images et des réactions, donc c'était cool. Bravo à lui, c'est un exploit assez fou, et ça montre la passion qui l'habite de faire du vélo, et c'est la manière dont il transmet cette passion. Je trouve que c'est surtout ça qui est beau, quoi. Parce que là, il n'a rien à gagner à faire ça, en fait. Donc, non, c'était pour le kiff. Hein. Donc c'est ça, le plus beau qui en sort de ça, c'est la passion qu'il arrive à transmettre. Ouais, clairement. Je vais vous mettre juste pour terminer la photo... la photo de la Clan Morton, parce qu'effectivement, il le faisait en sandales. Si, c'est pour ça. Je veux absolument mettre la photo et ensuite on passe au quiz, parce que quand tu vois les sandales avec lesquelles il le fait, tu te dis mais le mec est complètement fou. Mais c'est absolument génial, et c'est ce genre de truc qu'on aime bien.
qu'on aime bien suivre aussi. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas plus parlé que ça, on le regrette un peu aussi, mais bon voilà, des fois on ne peut pas parler de tout. Mais voilà les petites... Hop, ça a tapé, mais vous avez vu peut-être les... Vous avez vu les... Évidemment, ça saute toujours au mauvais moment, mes petits trucs, mais je veux vous montrer absolument les sandales de la clan. Tu veux surtout nous faire finir tard ce soir, Joseph, hein. De manière, on a déjà dépassé Polo. Alors, ouais, c'est vrai. Bon, vous voyez tout mon avis, mais c'est pas très grave. Je suis pas pressé. Ah ouais. Ça repartit. Vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez vu parce que c'est bon, j'ai perdu. Ça dure une seconde. J'ai perdu. Heureusement que j'ai pris rendez-vous au ciné, enfin que j'ai pris la séance de 21h15. Hein. Tu vas voir quoi ? Tu vas voir quoi ? Voilà, ça, je peux pas le dire, ça. Mais arrête, bien sûr que tu peux le dire. Moi, j'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller voir Black Widow là. Moi, je suis très fan de Marvel et. J'ai hésité. Enfin, j'ai hésité, j'ai pas eu le dernier mot en vérité. si tu vas avec ta chair et tendre, tu peux nous dire le film que tu vas voir. On va voir ta chair et tendre qui a coupé la connexion en lui disant on part au cinéma. Joseph qui gâche l'annonce de Robin en criant pendant que Robin nous annonce le film qu'il allait voir. Quoi. On va voir Cruella avec, comment elle s'appelle Emma. C'est Emma Stone. Emma Stone, voilà. Emma Stone, c'est Emma Stone. Très grande dame. Emma Stone, c'est ma femme. Grande dame. Ah non, c'est la mienne. Voilà. Ah non, merde, j'en ai déjà une. Toi, t'en as déjà une. Enfin, moi, j'en ai pas. Moi. Emma Stone est une femme formidable. Moi, je suis amoureux de cette fille. Je te ferai un débrief si tu veux, Polo. Avec plaisir. On en parlera demain dans la quotidienne. Allez. Les amis, qui suis-je ? Bon, en tout cas, vous avez l'air tous d'accord. Joseph m'a fait peur. Bah ouais, j'essaie de te réveiller, mon pote coma. Allez. S'il voulait une petite info F1, c'est Hamilton qui a fait le meilleur temps de la... Et après, il me dit qu'on perd du temps. Bravo, Hamilton. C'était chaud avec Verstappen. Ah ouais. 75 centièmes. Ah ouais, effectivement. Qui suis-je, les amis ? Paul, triple carotte ? Pas aujourd'hui. Si, triple carotte sur le qui suit. Oh là là, triple carotte. Il va y avoir double carotte. Ah non, mais il y a 8-5, double carotte. L'idée, c'est quand même de récompenser celui qui a été le meilleur sur 3 semaines. Hein. C'est comme avec Pogacar, quoi. Au bout d'un moment, on va pas lui dire demain, sur le contre-la-montre. Paul, ça vaut rien, double carotte, parce que double carotte, tu peux pas la reprendre demain et du coup, tu vises le match nul. Bah oui, viser la victoire. Non, triple. Ah, t'es joueur, c'est plaisant. Bon, ça a eu 8-5 du coup. 8-5. Qui suis-je ? Je suis un coureur qui a démarré sa carrière professionnelle en 2015 chez Euskadi Basque Country Murias. Putain, attends. Oh le salaud. Romain Sicard. Non. Non, en 2015, on t'a dit. Non, en 2017. Hein ? 2017, il a démarré 2017. Sa carrière. Ah, 2017, j'ai compris, 2015. Même 2015. Mais de même, Sicard, il a démarré sa carrière en 2007. Mais non. Bah, il y a au moins. Je vais voir. Romain Sicard, Polo. Tu fais. Je pense que Polo, on est en 2021. Il est champion du monde espoir en 2009, Sicard. Donc, il a démarré dans ces années-là. Ouais, j'avoue. Il démarre. il avoue. Il démarre chez Scatel en 2010. J'avoue ma prise de. Attends pour moi. J'avoue ma prise de stupéfiant qui a. J'avais sous-estimé sa longévité. Ouais, je crois qu'il a pris sa retraite en plus. Ouais, je sais. S'il a eu le temps de prendre sa retraite, c'est qu'il avait démarré il y a un moment. Quoi. Ouais, passons. Je sais pas. Qui suis-je du coup ? Est-ce que vous avez trouvé ? Non, vous n'avez pas trouvé. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas que ce coureur actuellement est sur le Tour de France. Dans une équipe française et qu'il a commencé, je le rappelle, en 2017 chez Euskadi. Non, parce que ce coureur, les amis, est français. Et il est actuellement dans une équipe française. Il a 25 ans, né en 96. Il est né à Sauveterre de Béarn. Et il est équipier de Franck Bonamour. Cyril Barthes ? Exactement, c'est Cyril Barthes. Bravo. Sachez que Cyril Barthes a fait 3 ans chez Euskadi Basque Country Murias. Je cherche un tuniste. Et je ne savais pas. Dès que tu donnes une information géographique dans le qui suis-je, tu peux être sûr que c'est pour Robin, pas avec les Français. Quoi. Moi, je suis battu là-dessus. Ouais, Godu, il est breton. Oui, il est breton, Godu. Voilà ce que je sais. Franck Bonamour est breton aussi.
Ouais. J'ai appris ça récemment. C'est vrai. Question suivante. 1-0 pour Robin. Je suis un coureur d'une équipe qui est actuellement sur le Tour de France. Il a changé récemment de Il est sur le Tour de France, le coureur ? Oui. Et t'as dit quoi ? L'équipe, elle a changé quoi ? Elle a changé de nom ? Elle a changé de sponsor. Ok. De sponsor. Et j'ai commencé ma carrière en 2015 chez Axéon. J'ai fait 2 ans chez la Trek Segafredo, puis 1 an chez la team Katusha. Oh, je sais qui c'est. Daoset ? Non. J'ai gagné une étape du Tour d'Italie 2020. Guerrero. Jonathan Castoviro, exactement. Tu te souvenais de la victoire de Guerrero sur le Tour d'Italie ? Oui. Oui, moi je m'en souvenais, mais je ne savais pas qu'il était passé chez Axéon. Si, parce qu'en fait, j'avais fait la liste à l'époque de tous les mecs passés sur, chez Axéon. Mais tu fais des listes bizarres, toi. Et ben voilà. Non, mais c'était pour le travail. J'espère. Question suivante. Qui suis-je ? Alors lui, il est vraiment pas facile, mais pourquoi pas, on va le tenter. J'ai commencé ma carrière en 2018 chez la team Katusha et je suis italien. Je ne suis pas sur le Tour de France actuellement, mais j'ai fait le Tour de Suisse. Moreno Moser, non. Ce n'est pas Moreno Moser. Non, mais je raconte n'importe quoi, oublie ce que j'ai dit. Et je suis italien. J'ai 26 ans. Et je suis un coureur. T'as donné un indice qu'on n'a pas entendu, je crois. De la Bora. Alors, italien. Fabro. Benedetti ? Oui, Polo. Ah, Matteo Fabro. Tu restes en vie parce qu'il y a 5 qui suivent. C'est-à-dire que si Robin gagne un des 2 qui suivent, c'est terminé, Polo. Attention à Fabro dans les prochaines années, je pense. C'est un bon coureur. Écoute, Pierre Gaulle l'avait trouvé. Bravo, qui suis-je ? Je suis un ancien du peloton et je n'ai plus beaucoup de cheveux sur la tête. Chris Froome. Non. C'est pas un super indice compte tenu qu'on suit un sport avec des casques, mais bon, sait-on jamais. J'ai commencé ma carrière en 2010. Quelques équipes que j'ai traversées. Sava, Team Argos, Team Giant, Orica, Mitchelton Scott, Team Back Exchange. Mesgek. Exactement. C'est bon, c'est pour moi. Alors qu'il est... Il a dit c'est bon, c'est pour moi. Je savais pas qu'il avait pas de cheveux, lui. Bah, c'est bon, bah. Cet indice, il servait à rien du tout. Lucas. Ça, servi, que ça m'a confirmé à la fin. À votre avis, il a gagné combien de victoires en professionnel ? Bon, victoire de Robin sur ce quiz. Ah, je dis 15. Il doit en avoir 20, 25. 19. Ouais. Ah, pas mal. Solide. Un dernier petit qui suis-je pour la route. Allez-y, on fait celui-là, il vaut 3. Avec le truc de la carotte, machin et tout, je remets tout en jeu là. Allez, j'aime bien entendre les choses pareilles. J'aime bien entendre les choses pareilles. Qui suis-je ? Je fais actuellement le Tour de France dans une équipe qui n'est pas européenne. Je compte 8 victoires dans ma carrière, victoires d'étape et de tour, d'une semaine compris. J'ai été champion national de mon pays et je suis sud-américain. Guita ? Ouran ? Ni l'un ni l'autre. J'ai fait un seul top 10 dans ma carrière. C'était sur ma première. Caicedo ? Non, on n'a pas son tour. Attends, c'était sur mon premier tour d'Italie. Attends, mais un top 10 de quoi ? T'as dit qu'il a 8 victoires. Oui, mais un top 10 de grand tour. Ok, sur son premier Giro. Sur son premier Giro en 2012. J'ai fait 15e quand même de la Vuelta en 2020. Enao. Enao, bravo Polo, énorme. Énorme, bravo. Ça avait été trop concentré sur les équipes américaines. Ouais, je réfléchissais à, bah, après l'équipe sud-américaine. Enfin, oh là là, sud-américain, il n'y avait, pas beaucoup. Après, tu dis 2012, je suis OK. Et now. Eh bien, victoire j'ai de Polo. Il oui, sud-américain. Ça fait 5-3. Il t'a ratatiné, Robin. Franchement, tu devrais avoir honte de toi. Tout sera demain.
T'es puni. Bon, allez, c'est terminé pour cette émission. On a fait une heure et quart d'émission aujourd'hui, un tout petit peu plus, 1h20. Voilà, on s'est régalé, on a bien rigolé. Bravo, Matej Mohoric. Et puis, du coup, on se retrouve demain et rejoignez le Discord. Les amis, n'oubliez pas, dans le Discord de la Fantasy, de mettre vos pronos, je ne trouvais pas le mot. Et pour rappeler que on a, je crois, toujours le même leader sur la fantasy qui est Romain. Voilà, Romain est toujours leader. Bravo à toi, Romain. 17, tu es avec 184 points. Il est devant Icrix qui a 310 points. Romain, tu es absolument énorme. Je vais aller regarder les pronos que tu as mis. Mais t'es très très fort. Félicitations à toi. Et moi, j'en suis où? J'ai pris un petit tir aujourd'hui. J'étais 22e, je suis que 33e. Je suis assez déçu. voilà, je suis en interview d'après course. Polo, tu es 70e. Tu as un peu reculé, ouais. Mais tu es quand même pas très loin. Robin, tu es catastrophique. Tu es 109e. Tu as dépassé les 1000 points. On dirait Agenin rugby. Je suis pas fier de toi. Mais bon. j'ai 10 fois plus de points que Romain, que le leader. Ah oui, putain, c'est grave. C'est grave, mais bon. Bon, c'est pas grave, Robin. Peut-être que demain, tu trouveras le vainqueur. Mais les gars, il n'y a que moi qui entends Joseph en accéléré, là. Non, ça va. Mais non, mais je parle très vite. Ok. Ouais, je trouvais ça bizarre, autant pour moi. Je parle peut-être un peu plus vite que d'habitude. Polo, il a pas l'habitude. Non, il y a un problème. Moi, je te jure, non, mais là, j'ai fait là, il y a un problème. Voilà les amis, merci de tous de nous avoir suivis. Non, mais ça va, là, ça va. Ok, les amis, merci à tous. 21h, la rediff sur YouTube. 21h, grâce à Polo, qui est toujours très, très rapide. Là, il va falloir que je sois extrêmement rapide, là, pour le coup, vu qu'il est tard. Eh bien, bon courage à toi, Polo. Merci en tout cas pour tout le taf que tu fais. À demain, les gars. Merci, Romy. Merci à tous les rouleurs. Ciao, ciao. Gros bisous.